Voilà, nous sommes le 17-12-2013 dans une zone industrielle. Et voilà comment sont traitées nos zones industrielles neuves. C'est une partie de la zone industrielle qui a été construite il y a quelques années seulement. Donc nous voyons ici les zones qui sont non construites, entre les bâtiments en fait. Alors il y a plusieurs hectares entre les bâtiments. Et c'est traité en pelouse de golf. Là, l'herbe fait à peine 10 cm. À peine, hein, elle est tondue. Là, deux grosses tondeuses se viennent et tondent. Voilà. C'est fini les prairies sauvages. Maintenant, ce sont des pelouses. Des pelouses de golf partout, partout, partout. Il y a aussi ces grandes retenues d'eau constituées avec des bâches en plastique noir qui vraiment maintiennent beaucoup de chaleur en été car le plastique chauffé par le soleil devient très chaud. Cet endroit où il n'y a pas de végétation autour ne favorise pas du tout les batraciens. Il y a quelques années, je voyais des rainettes méridionales. Avec le traitement qui est fait à l'herbe qu'il y a autour, là, c'est peu probable qu'il y ait des batraciens qui puissent vivre ici. Malheureusement. La période des rainettes méridionales dans les zones industrielles est passée. Maintenant, c'est plus les rainettes qu'on voit, c'est les tondeuses. Et des tondeuses, et des tondeuses. Et vas-y, que je te tonde, que je te tonde. Que je dépends du gasoil. Bon, il y a les tondeuses qui viennent tondre. Les grosses tondeuses, deux grosses tondeuses qui viennent tondre l'espace libre là entre les entreprises. L'espace libre est en plus grillagé, on ne peut pas y accéder. Mais derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit un rotofileur qui vient couper la moindre petite herbe au bord des grillages, la moindre petite herbe au pied des arbres. Enfin, qui fait tout en fait, qui fait tout son possible pour éviter toute vie d'insectes, pour empêcher absolument que des, par exemple, phasmes puissent vivre ici. Voilà. Donc il rase tout, il rase tout, il rase tout, partout, partout, partout. Très régulièrement. Ici, l'herbe, elle dépasse pas 10 cm de hauteur. Là, il y a un terrain qui fait au moins 1 hectare. Et l'autre entrepôt derrière, là. Voilà. Région Aquitaine. Bon, il fait la récupération, c'est bien, mais bon. On voit que l'écologie se trouve pas entre les deux entreprises. Pas du tout. Ah, c'est propre. Pour lui, c'est propre. Toutes les personnes qu'on interroge comme ça, pourquoi vous faites ça? Pour que ça soit plus propre, parce que sinon c'est dégueulasse. Voilà ce qu'elles disent. Réponse irréfléchie. Comme si l'herbe qui pousse, qui devient un petit peu haute, qui fait 40 cm, c'est sale. Ça permet au coup de vie, au contraire. Et c'est pas sale du tout. Alors là, on voit carrément que la personne qui passe le rotofile là fait semblant de travailler en fait. Parce que là, ça a été tondu jusqu'au bord. Et là, il n'y a rien à tondre. On voit qu'elle fait rien. Bon, ça, c'est un truc que je vois couramment. Elle fait un fignoulage. Là où il n'y a pas besoin de faire le fignoulage. Puisque la tondeuse est venue jusqu'au bord là.
si elle va tondre, allez, une bande de 10 cm d'herbe. Voilà comment c'est fait. Alors là, on voit que le gars il pousse avec un appareil qui souffle. Bah, il pousse les. Je sais pas ce qu'il fait en fait. Ce qu'il fait, ça sert à rien. Il souffle les herbes qui ont été coupées. Ça sert à rien ici, c'est pas un endroit, c'est pas un chemin, c'est pas un endroit touristique. Ce qu'il fait, ça sert à rien. Voilà, il fait semblant de travailler en fait. Voilà, il souffle dans l'eau là. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Ouais, il enlève les 2-3 pailles qu'il y a sur le plastique. Mais ça sert strictement à rien. Hein. Les 2-3 brindilles qu'il y a sur le plastique, elles vont finir par tomber finalement. Donc il fait un travail qui sert à rien là. Sa souffleuse thermique avec un moteur thermique bien sûr. Il y a toujours les tondeuses, les deux tondeuses. Ça fait près d'1 heure qu'ils y sont là. Là encore on voit bien que son travail il sert à rien. Rien du tout le gars. Il y a toujours ces petits arbres à planter là. Ces petits arbres pointus. Grandis en pépinière. Stérile pour la nature. Alors qu'ici il pourrait y avoir des arbres intéressants, des saules par exemple.